C'est officiel. Ils sont désormais militants du RHDP. Ce sont 19 membres du PDCI-RDA, 68 du PPACI, 19 du FPI, 10 de l'ancienne LMP, 7 du COGEP, 1 du GPS et 13 autres personnes sans parti politique, tous du Haut-Sassandra. Le département ou la ville de Daloa et toutes les sous-préfectures du département sont en chantier. Et nous sommes aujourd'hui heureux de passer devant nos parents parce que le RHDP est en train de tenir ses promesses. Ça saute aux yeux, c'est du concret. Dis merci au grand visionnaire, au président de la République. C'est vrai que j'étais le président des orateurs du Parlement Agora du Haut-Sassandra, mais aujourd'hui, je suis venu prendre ma carte de militant pour le RHDP. Les responsables du RHDP saluent ce ralliement massif, preuve de l'adhésion aux actions du président de la République, Alassane Ouattara. Au-delà de la symbolique de cette cérémonie de l'adhésion à notre parti RHDP, ces adhésions consacrent aussi l'ancrage de notre parti au nom du Haut-Sassandra. Vous savez, le Haut-Sassandra est une région qui, par le passé, en dehors des grandes villes, était donc le bastion de nos adversaires actuels. Vous avez fait le choix de la raison. Félicitations à vous d'avoir fait le saut. Félicitations. Vous êtes en de très bonnes mains. L'accueil des nouveaux militants, l'occasion pour d'anciens d'affirmer leur appartenance au parti. La rumeur a couru sur leur départ. Personnellement, nous, on ne peut pas quitter le parti au pouvoir pour aller à l'opposition. C'est l'opposition qui doit venir au parti au pouvoir. Le président du directoire du RHDP, Gilbert Kone Kafana, marque la satisfaction du parti d'accueillir ses nouveaux membres. Cette cérémonie qui célèbre l'adhésion des populations et des cadres du Haut-Sassandra au RHDP montre une fois de plus que les Ivoiriens, dans leur grande majorité, apprécient les progrès réalisés en si peu de temps par le président Alassane Ouattara et que son parti, le RHDP, est aujourd'hui la seule voie pour que le second miracle ivoirien se consolide et s'installe durablement. Avec les adhésions successives, le parti des Oufouettistes pour la démocratie et la paix continue de tisser sa toile pour les futures échéances électorales.